Non mais je suis tout à fait d'accord, c'est une époque formidable, les gens peuvent s'habiller comme ils veulent. Mais oui, tu te rends compte, ils ont même des oreilles pour chien. C'est un truc de malade. D'ailleurs, je me suis amusée à faire du merchandising aujourd'hui. Je me suis même amusée dans le parc. Attends, faut que je te montre ça. C'était génial, génial. J'adore ce parc. Et figure-toi que j'ai même trouvé des pâtisseries, des gâteaux. Attends, tiens, je t'emmène. Merchandising de Noël, parce que j'estime que même si c'est Steph qui vous fera une super vidéo de Noël, je trouve ça normal que je présente aussi Noël parce que j'adore Noël. Moi j'avais des très très belles oranges quand j'étais petite, hein, maintenant c'est un peu désuet tout ça. Enfin bref, je vous présente, il y a des super boules qui sont sorties. Allez, on fait le tour, on y va ensemble. Pour commencer, cette boule avec Donald qui manifestement a fait des bêtises, hein, si vous regardez bien, et les soldats de Babes in Toyland, qui est un très très vieux Disney que je vous conseille de voir, qui est vraiment un classique à voir à Noël ou même le reste de l'année, hein, c'est pareil. Donc ça c'est des boules qui sont, il faut dire les prix on m'a dit, hein. Alors ce sont des boules qui sont à 13 euros. Après nous avons cette petite boule lumineuse que je trouve super jolie. Attendez, je l'allume. Hop. Voilà, regardez comme c'est beau avec le candélabre. Donc Mickey et Minnie. Et là, on est sur du 16,99. Très, très beau. Hein. C'est vraiment chouette. Dedans, il y a de la vraie neige. Je les adore. Elles sont très, très belles. Alors, attendez, je la rééteins parce qu'il y a des gens qui n'éteignent pas, mais c'est pas bien. Oh, je suis petite. Nous avons la même boule. Ah, mais il y en a une allumée. Avec Goofy, qui manifestement, comme d'habitude, a des problèmes avec la guirlande lumineuse. Toujours au même prix. Ensuite, nous avons celle-ci. Alors moi j'adore les boules avec les châteaux. Voilà, je les ai toutes. Donc d'ailleurs celle-ci, je vais peut-être l'acheter pour Steph. Alors il y a aussi cette boule que je trouve très belle. Je ne vais pas l'allumer parce qu'il y a le système de sécurité dessus. Et vous avez donc le château en transparence derrière qui change de couleur, qui est très très beau avec Mickey et Minnie dans la neige. Celle-ci, elle ne s'allume pas, mais elle est très 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 jolie aussi. Toujours Mickey et Minnie avec le sapin. Je trouve ça très très beau, hein. Vraiment, il y a une collection qui est magnifique cette année. Je sais que ça va faire plaisir à Steph parce que je sais qu'elle adore tout ce qui est classique. Rouge, vert, doré, c'est Noël, blanc, voilà. Donc elle, elle va s'éclater. Je vous montre les peluches maintenant. Les nouveaux copains de Noël, Minnie, Mickey, Donald. Avec le petit cadeau, 25,99€. Donald est moins cher, hein, bien sûr, c'est une toute petite peluche. Je vous dis ça. 13,99€. Celle-ci, c'est les nouveautés. Forky. Et alors, là, on a des super copains. Regardez, il y a Marie. Il y a le nouveau Winnie l'ourson. Tous les ans, ils nous sortent un Winnie l'ourson de Noël. Regardez comme il est trop mignon. Trop mignon avec son petit pull. Là, petit pull. Et toujours avec le petit pull, bourriquet, à 25,99€. Et bourriquet, fais du bruit! Ici, c'est bien pratique et ça coûte la petite somme de 12,90€. Très très joli. Hein.
amoureux de Noël, des pièces en chocolat dans des boules de Noël en métal, super jolies. Voilà, 6 euros. Super, alors franchement, à collectionner, je trouve ça génial. Et vous avez le même modèle avec Tic et Tac et Stitch. Toujours. Moi, je suis une amoureuse de Noël. Donc, vous avez cette énorme jarre à gâteau que je trouve vraiment particulièrement belle. Et de nouveau, puisqu'il avait disparu, voici le mug avec Joyeux Noël à l'intérieur. Et derrière, vous avez le château. Le mug existe aussi en bol. Voilà le bol. Et derrière, marqué Disneyland. C'est superbe. Hein, vraiment une très très jolie collection. Alors pendant que je me promène, j'ai découvert une super boutique Harrington. Hein, vous devez connaître, vous qui êtes des habitués. Regardez les belles statuettes pour Noël avec Mickey. Regardez comme elles sont belles. Oh là 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 là. Ça, c'est le décompte. Vous savez, le décompte avec Mickey et Minnie et le château. Il y a des châteaux qu'on peut acheter. Moi, je peux racheter même un chapeau. Le château, non. Calme-toi. Là, nous avons un superbe château. Cendrillon à 129 euros. Regardez comme c'est beau. Voilà, la boîte, rien que la boîte est absolument superbe. Et à 129 euros toujours, vous avez le château de Elsa et Anna de Arendelle. Absolument magnifique. Stéphanie, salut. Salut, on peut prendre juste une petite photo, parce que je trouve ça génial, une petite photo, ça va, on va faire là. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez juste prendre une petite photo si ça vous va? Merci beaucoup. Je me mets là. Merci beaucoup. Je vais juste la regarder si ça vous dérange pas, merci. C'est décevant, quoi. Je m'étonne pas d'elle. Alors, c'est hyper drôle parce qu'en 2020, il semblerait que vous mettiez des rats sur les épaules. Hein, toujours le même système d'aimant que vous voyez ici, que je vous montre. Hein. Ça coûte exactement 14 euros. Et c'est un rat qui, manifestement, est chef de cuisine. J'ai pas tout compris, mais je pense que vous, vous savez mieux que moi. Et il s'appelle Rémi. Bonjour Rémi. Okay. Je comprends pas, c'est quoi ça? Ça s'accroche aux vêtements?
c'est sympa. Non, pour en mettre beaucoup peut-être. Je vais en acheter plein et je vais en mettre partout. Des pinces, c'est des pinces. Ça, c'est les nouveaux pinces, donc c'est ceux d'Halloween. Ils sont très beaux. Regardez le château en Halloween comme il est beau. Le Tic et Tac, il est super beau. Le Donald, il est super beau. Il faut acheter des pinces. Les pinces, c'est bien. J'adore les pinces. Oh là là. Messieurs, dames, je vous vends la chaussette de la grande, de la petite, pour les petits, les grands pieds, les gros pieds, les tout petits pieds. Nous avons du Star Wars, nous avons du Stormtrooper, nous avons du R2-D2. Par ici, je vous demanderai de me suivre, nous avons de la Mini qui fait le bisou à Mickey, du Mickey tout seul qui s'éclate, de la chaussette courte, de la chaussette longue, de la chaussette Mini. Attention, Tic Tac, un chat qui rigole et bien sûr le génie. Ça n'est pas fini, messieurs, dames, attention. Pour les petites mignonnettes qui veulent mettre de la paillette et ça rime une petite chaussette soquetas, nous sommes là plus dans le classique du Mickey, bien sûr Jack Skellington est parmi nous. Et voilà, c'était le mignon, la minute chaussette. Je la connais celle-là, vraiment pas gentille, hein. Vous avez un squelette comme héros dans le parc. J'adore. Je vous montre un peu la collection parce que moi je ne connais pas du tout, donc je découvre avec vous, hein. Vous savez quoi, je pense que je vais essayer d'avoir un métier et de gagner des sous pour pouvoir acheter cette merveille. C'est un nutcracker et c'est Oogie Boogie. Regardez le petit cadeau. Oh, j'adore. Il est beau. Attendez, je crois que derrière. Oh, achetez-moi. Ils sont beaux, hein. Alors, attendez, je vous dis les prix quand même. 15,99€ pour les bébés garçons, les bébés filles, ou même les deux, on s'en fout. Oh là là, j'adore. Regardez. 75€. Regardez. Elle est extraordinaire avec la citrouille dans la main, je l'adore.
J'adore. Scar avec les hyènes. Fantastique. Et attendez, attendez, le meilleur pour la fin. Les petits amoureux en statuette, 139 euros. Regardez, Disney Showcase Collection. Ils sont beaux. Oh mais non. Oh j'adore, j'adore. C'est la fin de ce merchandising. Vous n'allez pas me retrouver, j'avais fait deux émissions spéciales pour Halloween, mais à partir de maintenant c'est Steph qui va reprendre le dessus parce que c'est son merchandising et que moi je suis fatiguée de tout ça. Maintenant je vais vivre une nouvelle vie. J'ai découvert le parc, j'ai découvert les glaces, j'ai découvert les gâteaux, j'ai découvert les appareils photo, j'ai découvert plein de choses, donc il me reste plein de choses à faire dans le parc. Et je me suis trouvé une nouvelle petite maison parce que Boot Hill c'est très sympa, mais trop de beige, trop de noir, moi j'ai besoin de couleurs. Donc je vous montre ma petite maison, je vous embrasse tous. Faites très 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 attention à vous et à très bientôt j'espère.